Après 30 jours maintenus éveillés, je suis devenu ce monstre. Je suis un ancien soldat ayant vécu l'expérience russe. Elle consiste à découvrir à quoi ressembleraient des hommes qui ne dorment jamais. Nous étions 4 prisonniers de guerre et on était ici pour servir des expériences scientifiques. Alors on nous a enfermés dans une pièce blindée dans le noir total, avec juste une vitre qui permettait de nous étudier. Tous les jours, ils libéraient un gaz qui nous maintenait dans un état d'éveil constant. Le jour 1, tout allait super, mais sans manger ni dormir, la terreur allait très vite s'installer. Au bout du 9e jour, l'ambiance est devenue sinistre. L'un d'entre nous a crié si fort qu'il s'est brisé les cordes vocales. Les autres sont devenus fous et ont étalé leurs excréments sur la vitre, pour qu'ils ne puissent plus nous voir. 15 jours après le début, plus un bruit, ils pensaient qu'on était tous morts et ont ouvert la porte. Ils étaient choqués de voir qu'on s'était mutilés et dévorés entre nous. Mon apparence n'avait plus rien d'humaine. Je les ai suppliés de fermer la porte et de remettre le gaz. Un médecin serait resté avec moi et depuis est terrorisé. Je lui aurais dit « Je suis le monstre qui sommeille au fond de chacun de vous ».